Regierungsratsmitglieder, sehr geehrte Stadtratsmitglieder, liebe Vertreter von Virtual Switzerland, Herr Präsident von Cineforum, Repräsentanten von SRG SSR, liebe Freunde. Sono molto felice di aprire questa serata digitale per la prima volta in collaborazione con Virtual Digital. Buonasera Letizia. Buonasera. En 5 ans, le GIF a réussi avec le Geneva Digital Market de mettre en lumière des expérimentations, en quelque sorte des vrais success stories, comme on dit en français moderne. Le Geneva Digital Market a fait connaître des talents, a contribué à créer un cluster, pour utiliser un autre mot très français, puisque 3 des 4 acteurs les plus innovants dans l'audiovisuel immersif sont ici à Genève. Le GIF est une plateforme pour le grand public, plateforme de découverte, mais c'est aussi une entité pour les acteurs du secteur. Nous avons cette année revisité le programme avec Virtual Switzerland. Et donc justement, Laetitia, qu'est-ce que signifie le GIF pour vous et pourquoi est-ce que Virtual Switzerland s'est associé à notre festival? Merci Anya. Well, I'll continue in English. The GIF represents a curation of works that convey emotions via various audiovisual media. As the national thematic network dedicated to immersive technologies, meaning augmented, mixed, and virtual realities, Virtual Switzerland seeks to promote and foster the creation, implementation, and development of these technologies we now call XR. And GIF curates the largest and most impressive collection of immersive works and experiences. It sums up the best of what's been touring in international festivals while featuring only Swiss premieres. Last year I was struck by the quality of the artworks on display, and this was well before any partnership with the GIF was on the horizon. I fell for the immersive work from Felix and Paul, the VR series called Space Explorers, and I loved it. I came back for more and to watch it over and over and attended talks and really thought the GIF was a treasure trove of VR artworks. And this year, Virtual Switzerland is honored to be experiencing the GIF as a partner of course, the professional platform of the festival, since we are a B2B initiative. So thank you to a lovely, positive, and professional team. And as opening screening this past Friday, there was Proxima, a film about a female astronaut about to embark on a space mission to Mars, which reminded me of last year's immersive experience about training for and in space. There was a link there I could not pretend to overlook, the fascination for men and machines. Machines that help conquer new territories, virtual territories. But also machines, or the tech behind them, that helps us achieve ancient dreams like that of flying, like the flight simulator you see at the entrance. This is a flight simulator called Birdly, and today it is a founding member of Virtual Switzerland, by the way. And today it unveils the newest tale about diving, so not flying anymore, which also opens up about challenges of biotopes and what the challenges are today. So it's a Birdly turned Turtly, go try it out. So the GIF evokes to me the diversity and never-ending love-hate relationship between man and technology. The GIF and its Geneva Digital Market underline the evolution of storytelling to many media being the
multisensorial immersive experience being the latest. But beyond the immersive tech, it is the immersion story that truly captivates a person. This is why Virtual Switzerland feels privileged and honored to participate in sharing and telling stories of XR professionals. We are grateful to the GIF, since it helps establish new narratives formats that set new standards for the future. So, Anya, what's next then? Vous le savez, je crois, le GIF a fait énormément pour le digital immersif ces dernières années. Le GIF est à la fois un festival qui permet au public de découvrir des propositions digital immersives, du film, des séries. Mais le GIF, justement, a aussi un rôle à jouer pour les professionnels, d'offrir un cadre d'expérimentation et d'échange d'idées sur la réalité augmentée, mais aussi sur la réalité virtuelle, car on a rarement raison tout seul. Ces échanges, ils ont aussi une valeur économique, et ce n'est pas le ministre de l'économie qui est ici présent qui prendra la parole, qui dira le contraire, puisque la réalité augmentée et virtuelle est de plus en plus utilisée dans tous les domaines, que ce soit dans l'architecture, dans l'urbanisme, la médecine, tous les domaines que vous pouvez imaginer. Donc nous avons, on l'a vu, nous avons ici à Genève un vivier foisonnant d'idées d'acteurs, et il s'agit maintenant, what's next, il s'agit maintenant de structurer ces différentes forces pour avoir encore plus d'impact, de les structurer entre l'État, la RTS et le GIF. Le directeur de la RTS a déjà annoncé lors de l'ouverture du festival la création d'un pôle digital entre la RTS et le GIF. C'est un premier pas prometteur, sans aucun doute, dans la bonne direction pour faire de Genève un haut lieu de la création digitale immersive et inventer les propositions du futur qui pourront sans doute être reprises dans le film et aussi dans plein d'autres domaines. Donc vous le voyez et vous le verrez encore ce soir, ce n'est pas les idées qui manquent, c'est l'argent parfois qui manque. Ça, les autres acteurs culturels dans la salle ne vont pas en être surpris. Heureusement, nous avons des fidèles partenaires, complices, qui croient comme nous qu'il est temps d'investir dans l'innovation. Voici leur nom. La ville de Genève, la République et canton de Genève, et en particulier le département du développement économique, l'Office fédéral de la culture, InnoSuisse, agence suisse pour l'encouragement de l'innovation, Mediadesk Suisse, la loterie romande, SSR, la RTS, Virtual Switzerland, Migros pour son culturel, la Fondation Lennart, Cinéforum, ça porte chance, plus d'argent, plus de budget l'année prochaine, on en a besoin, Pro Helvetia, et finalement pour l'accueil de Bi Ariel F de Simon Sen, ça s'est fait en collaboration avec le CRUTLI, Centre de production et diffusion des arts vivants. Je vous souhaite une excellente soirée, je vois qu'elle a commencé déjà pour un certain nombre de vous, une soirée éclatante jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup d'être là. Je crois que même dans une église, c'est plus agréable de parler qu'ici. Cette année, au GIF, l'œuvre digitale est renforcée avec une soixantaine de projets au total, dont 10 sont en compétition. Il y a aussi le tout nouveau cinéma VR. Il est l'unique cinéma à 360 degrés de Genève. Et ce soir, la nuit numérique. Toutes ces innovations sont rendues possibles, évidemment, grâce à nos partenaires officiels et les sponsors officiels du festival. La ville de Genève en fait partie depuis des années. Ce soir, pour la représenter, le conseiller administratif en charge du département du développement économique, Pierre Maudet. Mesdames, messieurs, nous venons d'assister à ce que permet le GIF, des fusions improbables. La ville, le canton, finalement, on s'en fout.
L'important, mesdames, messieurs, c'est qu'on avance et qu'on avance ensemble. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, d'abord pour dire ici, au nom du canton de Genève, mais aussi au nom de la ville que je n'ai pas préalablement consultée, mais on s'en fout, que les autorités sont très fiers. Très fiers de constater que cette 25e édition est belle, qu'elle rassemble plus que jamais, qu'elle permet, et c'est sa vocation, de décloisonner les différentes disciplines audiovisuelles, qu'elle permet d'explorer des nouveaux formats, qu'elle permet aussi, et c'est peut-être sa vocation principale, et je regarde ici tout particulièrement le directeur du GIF, sa vocation à ce festival, c'est de relier les gens, et de les relier dans une approche prospective, dans l'idée que peut-être, dans ces 10 jours de concentré audiovisuel, nous allons déceler ce qui va faire battre le pouls de notre cité ces prochaines années. Je vous le dis d'autant plus volontiers, mesdames, messieurs, que ce soir, ce n'est pas le ministre de la Culture qui vient, mais c'est celui de l'économie, et qui vient vous dire que nous sentons, dans les milieux économiques, et plus largement dans notre société, un regain d'intérêt et d'appétence pour la culture avec un grand C. L'idée que la culture, que ce lien précisément qui doit être fait entre les gens pourrait s'accélérer à la faveur du 10e art, qui sont les arts numériques, bien cette idée elle est bien présente à Genève. Le Conseil d'État que je représente ce soir souhaite, par cette présence et par ce discours, dire que les mois qui viennent sont des mois clés pour le développement des industries créatives. Ces industries créatives, mesdames, messieurs, ça n'est plus un tabou aujourd'hui, représentent un levier de croissance évident. Un levier de croissance d'abord, parce que la demande est là. La demande, elle traverse les différents secteurs d'activité économique. La demande vers une offre audiovisuelle de qualité, mais innovante également, permettant de présenter différemment ce qui fait les atouts d'une région aussi dynamique que la nôtre. La demande aussi parce que celle-ci est stimulée par le public. Et le public est au rendez-vous, en témoigne cette 25e édition. La demande enfin parce que la compétence existe. Et vous en êtes le plus vibrant témoignage à des titres divers. Je pense ici évidemment aux créateurs, je pense aux producteurs, je pense aussi aux techniciens. Et ce n'est pas rien que de les citer. On parle ici de milliers d'emplois en Suisse qui sont appelés à se développer, avec des degrés de technicité, des exigences croissantes. Et là aussi, pour un ministre de l'économie, c'est important de souligner que ces branches professionnelles représentent un véritable enjeu. L'enjeu précisément. Et mon message ce soir sera assez simple. Vous savez, c'est la période des messages. Les messages sont à la mode, au niveau fédéral, au niveau cantonal. J'ai la faiblesse de penser que les messages s'accommodent mal du pluriel. Il y a un message qu'il faut retenir. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de retenir sur notre territoire ces compétences et de les accroître et de les développer. Alors, j'appelle de mes voeux ici un partenariat entre le public et le privé. Le public, c'est bien évidemment l'hippopotame audiovisuel qu'est la RTS, qui représente une masse et un poids, peut-être un peu d'inertie aussi, mais on le souhaite à la faveur de quelques déménagements prochains, la concrétisation. Et je trouve que c'est une excellente idée de ce pôle digital qui pourrait naître ici à Genève. Le public, c'est évidemment la ville, le canton, l'Office fédéral de la culture, la Confédération, faire en sorte que ces acteurs se coordonnent, parce que les moyens ne sont pas indéfinis et qu'il faut précisément les mutualiser. Et puis, l'enjeu également de ce message, c'est de convoquer ici le secteur privé. Et je peux vous dire qu'il ne se passe pas un jour ici où je ne rencontre pas des acteurs de l'économie privée qui sont désireux d'ouvrir leur chakra, d'ouvrir leur chakra au monde de la culture, et en particulier à celles et ceux qui le représentent à travers les industries créatives. Alors je souhaite que le GIF en particulier, mais plus largement la place de Genève tout au long de l'année, puisse nous permettre d'ancrer ce 10e art sur notre territoire, faire en sorte que les bras de levier financiers qui existent, et je réponds ici à la présidente très clairement, l'argent est là, puisse être activé en faveur de cette économie. Que nous trouvions aussi peut-être le temps et l'occasion de réfléchir au potentiel énorme que représente l'open source, et là également la mutualisation des savoirs sur une plateforme qui est prédestinée, qui est la plateforme genevoise. En un mot, mesdames, messieurs, le maître mot pour l'État de Genève, pour les collectivités publiques et pour l'année à venir, on espère le constater au 26e GIF, c'est la coopétition,
un peu de compétition, beaucoup de coopération et la capacité de conserver ici les talents. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, une magnifique nuit numérique et je nous souhaite beaucoup de succès pour l'année à venir. Merci de votre attention. La dernière fois que j'ai testé une œuvre immersive, j'en suis sortie avec la frange dressée sur la tête, toute rouge et complètement hilar. Je vous préviens, peut-être que ça vous aidera à choisir dans quel sens vous allez faire les choses suivantes. Durant les 30 prochaines minutes, vous êtes invités à réseauter, trinquer, déguster les mets préparés par le traiteur Paris-Zurich et essayer les différentes œuvres immersives. À la fin des 30 minutes, vous entendrez un gong qui serait...